c'est beau. On en a un ici. Le violet par exemple. On garde celui-ci pour la grenade. Ah, ici, c'est vraiment un endroit magique. On va en tirer quelque chose de fort joli. Il y a un charisme qui apporte vraiment quelque chose à l'image. Elle a une typologie avec un cheveu afro. Elle a une vraie personnalité, quoi. C'est pas le visage de tout le monde. C'est vrai qu'ici, en Guadeloupe, on possède des décors avec des spécificités très locales qu'on veut surtout mettre en avant. C'est avant tout l'esprit créola. En tout cas, c'est avant tout ce que l'équipe Guadeloupe veut apporter. Et puis, par rapport au thème qu'on a, elle a été choisie en fonction de ça. On est dans un décor roots. Donc on va pouvoir faire ressortir son caractère. Et surtout, elle a vraiment, avec cet afro, elle a un corps très fin. Ça lui donne vraiment, vraiment, vraiment l'esprit Caraïbe, vraiment l'esprit Jamaïque. En tout cas, comme moi, je l'entendais, comme je le pensais, quoi. Ben, je me positionne, en règle générale, par rapport au stylisme. En premier lieu, et effectivement, par rapport au décor, ensuite. Par rapport aussi à l'ambiance qui a voulu être donnée par Fred. On a la chance de posséder des lieux comme ça qui malheureusement sont à l'abandon. Enfin, malheureusement ou pas, le fait est que ça leur donne aussi un côté magique. Ce côté désert, ce côté abandonné. En même temps, il y a de la vie, il y a un charisme qui apporte vraiment quelque chose à l'image. La beauté dans un décor un peu industriel. Parfait. Voilà, ça c'est génial. Minutes, Linda, allez, on reprend. Le temps que la lumière revienne. Ok, bon, on va pouvoir shooter. Et voilà. Il faut toujours qu'on voit ça. Donc, j'ai envie de jouer un spectacle. J'ai envie qu'elle lève son sac alors qu'au départ je voulais lui donner un petit côté rebelle, effarouché, etc. Donc finalement, à la vue du site, à la vue du modèle, on part vraiment dans un style très, très, très pensé, on va dire. J'aime penser les choses parce que ça permet de ne pas partir n'importe où, faire n'importe quoi. Maintenant, une fois qu'on y est, ça ne veut pas dire qu'on doit, on doit réaliser à la lettre ce que j'avais en tête. Non, pas du tout. L'idée, je pense, c'est de laisser complètement aller son imagination. Donc là, on a fait un repérage, il y avait des lieux qui étaient très intéressants. Le fait de travailler avec un modèle qui correspond à un thème, ça nous aide énormément. Mais une fois sur place, ce qui est très, très, très important, c'est de laisser aller complètement son imagination et de partir dans un délire complètement artistique.